Bonjour, aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous faire voir comment j'ai upgradé ma CNC laser. Donc j'ai ajouté un axe Z avec une petite broche, avec un porte-fraise avec des queues de 3,17 mm. Et pour gérer l'axe Z, j'ai ajouté une carte mana 3 axes. Parce que par défaut, elle a que 2 axes. Là, il y a 3 axes. J'ai aussi agrandi la structure, j'ai passé de 1 mètre par 1 mètre. À l'origine, je crois que c'était 40 par 30. Là, mes premiers tests, je les ai faits sur du polystyrène extrudé parce que je suis pas trop connaisseur en CNC. Et c'est plus facile en cas d'erreur, même si ça va trop profond, ça risque rien. Là, pour ces gravures, j'utilise le logiciel Easel de Xcard. C'est un logiciel en ligne, très intuitif, facile. Là, sur la vidéo, on voit que le polystyrène il peluche un peu à la découpe. J'ai pas les fraises adaptées. Donc comme je le disais, pour ces gravures, j'ai utilisé le logiciel de chez Xcard, disponible sur leur site. C'est un logiciel qui fonctionne en ligne, donc vous pouvez être connecté, mais ça marche plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai fait aussi quelques tests avec un autre logiciel, ça s'appelle Candle. Ouais, il faut que je travaille encore, là, il y a encore du boulot. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette petite vidéo. Je mettrai tous les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés, pour l'axe Z, la carte mana 3 axes, la broche. À savoir qu'on peut même monter le laser sur l'axe Z. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!